Bonjour Mélanie Dan. Bonjour. Alors, dernier disque, Keys, on peut dire que vous avez frappé vraiment fort là, 5 pianistes, le gratin du gratin. Comment vous est venue cette idée? Eh bien, en fait, j'ai effectué un voyage à New York en janvier 2013 et je suis restée 3 mois et j'y suis allée pour rencontrer des musiciens et en particulier des pianistes. Et au retour, à mon retour, je me suis dit... J'ai envie de cette pluralité, puisque j'en ai rencontré plein. J'ai échangé des sessions avec plusieurs personnalités, identités. Et donc je me suis dit, je vais faire ça en France, dans mon pays. Alors, les 5 en question, on va peut-être les énumérer et puis raconter un petit peu comment s'est passé le disque après, comment s'est passé l'organisation de ce disque. Alors, il y a Baptiste Rotignon, il y a Thomas Enco, il y a Manuel Rochman, Pierre de Bettman et Franck Amsalem. Et puis, excusez du peu. Il y a aussi une rythmique, il y a Thomas Bramery et Luc Mille-Pérez. Voilà, pourquoi ces 5? Parce que je connais la majorité. Baptiste Rotignon, c'est la première fois que je joue avec lui, mais les autres, je les connaissais déjà, on avait déjà joué ensemble ou sessionner ensemble. Et voilà, je les ai choisis les 5 pour justement leur énergie variée, leur tempérament, leur vision. Et je leur ai demandé à chacun de bien vouloir arranger 2 standards avec une direction esthétique que j'ai donnée, artistique. Et voilà, les 5 se sont prêtés à ce jeu. C'est vous qui avez choisi les standards ou c'est eux qui les ont suggérés? Oui, j'ai donné une liste. Des standards que j'aimais et puis ils ont pioché dedans. Un bon résultat à l'arrivée. Je suis ravie et je suis très contente et j'ai beaucoup de chance d'avoir été associée à ces pianistes sur ce projet et voilà. Après l'idée c'est de jouer sur scène soit avec plusieurs pianistes, soit avec chaque pianiste et d'essayer de tourner avec ces arrangements. Chacun pourrait se prêter au jeu de jouer les arrangements des autres, et peut-être pas tous, mais une partie. Ah, voilà. C'est bien, vous avez devancé ma question, j'allais vous demander justement comment on va faire alors avec 5 pianistes pour tourner, vous avez répondu. Pour les lieux qui le souhaitent, on pourrait, pourquoi pas, faire un concert avec plusieurs pianistes, 5, ce serait formidable. Mais... D'ailleurs, au Sunside, là, le 27 et le 28 novembre, le 27, j'ai 4 pianistes avec moi. Wow. Et le 28, j'ai 2 pianistes. Voilà, donc on va présenter l'intégralité de l'album. 2 mots encore sur le choix des thèmes que vous avez donc décidé de prendre pour cet album-là. Il y a eu des chutes, comment on pourrait dire? Vous avez proposé plus de thèmes que ce qu'il y a à l'arrivée sur l'album. Comment ça se passe? Oui, il y avait vraiment une liste assez longue. Et puis, par exemple, avec Baptiste, on a passé en revue quasiment toute la liste. Et puis il les a joués, il s'est demandé s'il y avait matière à arranger quelque chose et puis au final il s'est positionné sur 2 titres, donc ça n'a pas été cet exercice-là avec tout le monde, chacun a procédé un peu à sa manière et bien sûr il reste des chutes, donc pourquoi pas pour agrémenter le reste du répertoire sur scène. Ah ben voilà. Voilà. Donc voilà. Vous devancez ma question une fois de plus, mais ma question c'était pas ça. J'aurais dû être journaliste. Il y a quasiment, vous lisez dans les pensées, moi. Il y a quasiment de quoi faire un deuxième album presque. Pourquoi pas, un volume 2, ce serait formidable. Mais on va commencer déjà par celui-là. C'est déjà pas mal. Je vous laisse le soin de rappeler le titre donc, et le label sur lequel il est sorti. Alors ça s'appelle Keys, et puis ça sort chez Backstage Productions, distribué par L'Autre Distribution. Merci beaucoup, Mélanie Dan. Merci.